Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Messe célébrée et enregistré, filmé dans l'église, en l'église Sainte-Croix, à Sarre-Eustache. La crèche est bien montée, elle est belle, magnifique. L'enfant Jésus est bien installé, entouré de ses parents. Et nous voici réunis pour vivre cet événement. Noël. Dieu s'est fait homme, Dieu s'incarne, Dieu s'est fait l'un de nous, il se fait solidaire de chacun et de chacune de nous. Au cours de cette célébration, nous allons prier les uns pour les uns avec les autres, pour toutes les familles éprouvées, pour toutes les personnes qui désespèrent, pour toutes les personnes qui se cherchent, celles qui voudraient donner sens à leur vie. Que cet événement décisif dans l'histoire humaine où Dieu se fait homme puisse apporter des réponses à leurs questions, à leurs attentes. Que Dieu Emmanuel soit vraiment avec chacun et chacune de nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière.
qui n'agit pas selon nos péchés, ne nous rend pas en dehors dans nos offenses. Je suis en au milieu des hommes, grand pitié de tout homme pécheur, grand pitié de tout homme. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Fils bien-aimé dans l'Esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute notre prière. Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père, fait chair, une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Dieu s'est manifesté pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance.
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur des Syries. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son premier-né, elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions à l'occasion de la fête de la Nativité, un événement décisif,
un feu éternel que Dieu a allumé dans le monde. En se faisant homme, Dieu nous donne, nous a donné ce qu'il y a de meilleur, le meilleur cadeau. En se faisant solidaire, en marchant sur nos routes d'homme, en vivant comme nous, à l'exception du péché, Dieu rejoint l'homme. Dieu nous rejoint, chacun et chacune, dans nos joies, mais aussi dans nos souffrances. Dans ce monde, comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture, car le joug qui pesait sur lui, sur les peuples, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Ça, c'est le premier volet de la nativité. Dans ce monde où il y a parfois et souvent de la désespérance, dans ce monde de souffrance où des hommes sont blessés, y compris par le péché, où les gens cherchent la libération, sont en quête de vérité et de miséricorde, Dieu se fait l'un de nous, justement pour nous libérer. Emmanuel, Dieu avec nous. L'autre côté, l'autre versant de Noël, c'est que à Noël, Dieu nous montre toute sa bienveillance, toute sa miséricorde. Il vient nous sauver. Il vient combler nos attentes. Et ce Dieu est merveilleux. Dans aucune religion, Dieu s'est fait homme, a envoyé son propre fils, qui va connaître un destin quand même un peu tragique. De Noël à Pâques, si vous relisez l'histoire du salut, c'est une histoire incroyable, une histoire, disons, merveilleuse, où Dieu s'est fait homme, c'est seulement dans le christianisme. Et là, nous avons quelque chose de particulier, un trésor. Dieu n'est plus loin, il est vraiment, vraiment, j'insiste, réellement à nos côtés. Dieu nous rejoint, j'insiste, dans nos choix et dans nos souffrances. Il est là. Et lorsque Dieu nous rejoint, il nous rejoint dans la simplicité. Il n'est pas né dans les palais de Hérode, le grand. Il est né dans la paille, enveloppé et déposé dans une mangeoire, dans la simplicité, dans la pauvreté. Ainsi, Dieu pouvait rejoindre tout homme. Ainsi, Dieu peut dire, je connais les hommes, j'ai vu leurs souffrances, j'ai vu aussi leur joie. Ainsi, toute personne peut se retrouver dans ce Messie, né dans les dénuements complets, dans la simplicité. Et qui chante le premier la gloire des dieux? Les bergers. Des gens qui ne mettaient jamais leurs pieds dans les synagogues, des laissés pour compte. C'est à eux que l'ange va dire, soyez sans crainte. Aujourd'hui, aujourd'hui vous est né un sauveur, le Christ. Des pauvres personnes chantent la gloire des dieux. Un autre détail, né à Bethléem, la maison du pain. Voilà, dès la naissance, Jésus est déjà le pain donné. Le pain offert,
pour l'humanité. Toute sa vie durant, il va nourrir les gens, effectivement, les affamés. Il va soigner les malades. Il prendra soin. Prendre soin. Voilà une expression qui trouve beaucoup de sens aujourd'hui dans le contexte de pandémie. Prendre soin des autres. Prendre soin de nous. Et Jésus, du début à la fin, restera et sera le pain offert à l'humanité. Une humanité qui aspire, une humanité qui a faim et soif, une humanité qui se cherche. Voilà, Jésus se propose, se donne comme réponse, comme référence à notre humanité. Il y a un enjeu aussi dans cela, notre engagement, notre réponse à ce don de Dieu. Si je vous tends la main pour vous donner un cadeau, et si vous, à votre tour, vous ne tendez pas la main pour recevoir ce que je vous donne, mon cadeau reste avec moi. Vous n'avez rien. C'est là l'enjeu, notre propre engagement pour recevoir, pour ouvrir nos cœurs, malgré nos difficultés, nos désespérances, nos craintes, nos doutes, nos interrogations. Faire confiance, ouvrir son cœur pour recevoir le Christ, le petit Jésus qui vient nous sauver, notre libérateur. Recevoir, c'est aussi devenir acteur. Et dans la deuxième lecture, il y a cette belle phrase qui dit: bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Alors, la phrase que je voudrais souligner est à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Vivre de manière raisonnable, avec justice et piété. Devenir un peuple ardent à faire le bien. C'est cela. Recevoir ces dons que Dieu nous fait, les saluts, et devenir à notre tour des artisans. Devenir à notre tour des créateurs, des sauveurs. Prendre soin à notre tour des uns des autres. Telle est notre responsabilité. Et c'est là que joue aussi ce salut que Dieu nous apporte. Non pas seulement recevoir, mais aussi donner. Et pour donner, nous devons libérer nos cœurs. Libérer nos cœurs de tout ce qui détruit la vie en nous et dans la vie des autres. Libérer toutes ces craintes qui nous habitent, nos désespérances, nos doutes. Libérer aussi nos cœurs de tous les maux qui le détruisent. Les jalousies, les querelles, la violence, des rancunes, etc. Devenir un peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Puisse la joie de Noël nous habiter, habiter nos familles, nos cœurs, notre monde. Puisse la joie de Noël raviver notre espérance et surtout nous apporter la libération intégrale, particulièrement en ce temps de pandémie. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous croyons qu'en un enfant qui s'appelle Jésus, très pauvre, Dieu vient nous visiter, soulager nos charges quotidiennes et nous donne la vraie joie, d'un même cœur, d'une même foi et dans la joie. Louons-le. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, merveilleux conseiller. Que ta sagesse habite dans le cœur de ceux qui doivent prendre des décisions importantes dans leur vie ou qui réalisent des choses qui ont une influence sur la vie des autres. Notamment, aide les baptisés à s'enraciner dans la vie de prière nourrie par ta parole, Seigneur. Guide les enfants que tu nous as donnés. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Dieu fort. Nous te rendons grâce en voyant des enfants s'épanouir et grandir, entourés de l'amour de leurs parents, de l'affection de leurs grands-parents et de la bienveillance de leurs enseignants. Que la puissance de ton amour relève tous les enfants en échec scolaire ou qui se retrouvent à l'abandon dans la rue, à cause de mille raisons différentes. Guide les enfants que tu nous as donnés. Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Père à jamais. Nous te rendons grâce pour les grands malades de notre ville qui sont pris en charge, les personnes âgées isolées par le Covid, qui peuvent recevoir régulièrement la visite de personnes qui les aident pour les soins ou pour les démarches administratives. Que tout homme ressente qu'il est aimé en ce jour saint. Guide les enfants que tu nous as donnés. Guide les enfants que tu nous as donnés, Père parmi les enfants. En enfant nous est né, nous proclamons ton nom, Prince de la paix. Nous prions pour ceux qui luttent sans relâche et en tout lieu pour l'intérêt et la défense des petits et des pauvres. Nous te rendons grâce pour toutes les familles qui peuvent se réunir ce soir malgré les contraintes imposées par la lutte contre les risques de pandémie. Guide les enfants que tu nous as donnés. Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celle que nous venons de te présenter, la prière secrète que nous avons dans nos cœurs. En ce jour de Noël, que ce nouveau-né emmailloté, couché dans une simple mangeoire, reçoive nos prières.
Lui qui règne avec toi est le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, un petit enfant, s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ce fruit de la terre nous communique tes dons divins par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Que le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur, immense gloire. Saint notre Dieu, le roi de l'univers. Saint le Seigneur. Hosanna, 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 Seigneur du monde. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Seigneur du monde. Hosanna, 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 béni soit celui qui vient.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour aisément, nous prions avec les enfants. Nous prions pour les défunts, des familles Anquibran, Arnold et Bernard Genet, Malvina Lambotte, pour Sarah Saint-Laurent, André, Joël et Véronique Polomé. Et toutes les personnes, toutes les connaissances, proches et amis qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Roch et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout-puissant.
puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Communion spirituelle avec toutes nos familles, toutes les personnes qui ne peuvent se réunir, qui ne peuvent avoir de messe, en union de prière avec toutes les personnes qui vont visionner cette messe enregistrée. Disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, mais dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre monde, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un geste, un regard de paix. Et nous envoyons cette paix à toutes les personnes qui regarderont la vidéo. La paix. Glory, glory, hallelujah.
cette nuit qui fait chanter même les cœurs lourds, puisque mon frère trouve l'amour. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est la nuit de pour les personnes qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous célébrons de tout notre cœur la naissance de ton Fils. Accorde-nous la grâce d'approfondir notre foi en ce mystère et d'y trouver la force d'un meilleur amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voilà au terme de notre cérémonie messe de la Nativité. Je voudrais rapidement remercier Jean-François, l'organiste, belle sélection des musiques. Je remercie aussi tes collègues, Marc et André, qui ont joué les jeux aussi pour la messe enregistrée, qui vont continuer d'ailleurs. Merci pour ce que vous apportez, cette animation musicale nous permet de vivre bien célébré et célébrer joyeusement. Et dans la prière, qui chante, prie deux fois. Je remercie encore Étienne, qui a eu la vocation de caméraman. Grâce à lui et à sa bonne volonté et son appareil, nous avons les messes, nous pouvons visionner le messe sur les sites paroissiales. Et je remercie aussi José Doc, les techniciens qui travaillent le fichier de Tienne et pour nous donner les résultats finaux. Merci. Notre collaboration va continuer. Vous êtes d'ailleurs chevet de culte. Ça fait partie aussi finalement de vos compétences. Merci Étienne pour ce que pour ton dévouement et d'avoir proposé spontanément d'ailleurs les célébrations des messes pendant que je cherchais des solutions dans la tête. Je remercie la petite communauté chaleureuse de Saint-Eustache dans cette magnifique église. Aujourd'hui, la prise de son devrait être meilleure.
crois que les micros, c'est vrai que la technique est au point ici particulièrement. Et merci pour l'accueil, merci et félicitations pour cette belle crèche, grandeur nature, et pour cet accueil. Saluons notre journaliste qui est là aussi, voilà ce qu'il fera après. Je vous souhaite à toutes et à tous joyeux Noël et surtout une bonne année, une meilleure année 2021. Et j'espère vous revoir bientôt. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit, ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.